Et bonjour Cyril Lacarrière. Et bonjour Philippe Vandel, bonjour à toutes, bonjour à tous. Place à votre journal des médias. Cyril, qu'avez-vous au sommaire ce matin? Ce matin, je vous parle de SFR Presse qui est en vente, de la reprise pour Plus belle la vie, de David Pujadas parti à la rencontre du professeur Raoult et d'un nouveau court-métrage de Pixar qui pourrait lui valoir quelques problèmes. Mais on débute comme c'est la tradition par les audiences. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier soir à la télévision? Le duo Cadmerade, Franck Dubosc l'emporte. 3 900 000 personnes ont regardé leur film Bis sur TF1. Bruce Willis et Morgan Freeman doivent se contenter de la deuxième place avec le film Red. Un peu plus de 3 500 000 de téléspectateurs étaient devant M6 hier soir. Enfin, la série Major Crime sur France 2 se classe en troisième position. Les deux épisodes ont été regardés par près de 2 900 000 téléspectateurs. Enfin, hier, c'était le retour de Télématin. L'émission matinale d'Eurofrance 2 a repris sa place sur la grille après une période de confinement. Laurent Binalas et son équipe ont retrouvé leur moyenne habituelle avec 780 000 téléspectateurs. Et Cadmerade Bis, il sera avec nous tout à l'heure en fin d'émission.